dans le pavé. Voilà, je vais juste dire que le titre même du colloque, faut-il industrialiser le cinéma africain, est assez révélateur. Nous sommes en 2009, on est en train de se poser la question si le cinéma africain est aussi une industrie. Nous connaissons tous la phrase, et on ne sait plus très bien à qui l'attribuer, je crois que c'est à Bazin, où on dit que le cinéma c'est aussi une industrie. Donc le cinéma mondial est une industrie. Il n'y a que pour l'Afrique où en 2009, on se pose la question s'il faut l'industrialiser. Effectivement, bon, le cinéma africain est né durant les périodes qui ont suivi l'indépendance. Je ne vais pas répéter, c'était un cinéma militant, un cinéma politique, et il est né dans un certain contexte, évidemment sous la protection, sous l'aile du cinéma français, qui était le cinéma que vous connaissiez à cette époque-là, donc l'époque de la Nouvelle Vague, etc. Et forcément, les films qui se sont faits à cette époque-là étaient d'abord des films, on va appeler ça éducatifs, des films qui voulaient conscientiser les populations, etc. On n'a pas suffisamment mis l'accent sur l'aspect divertissant du cinéma, on n'a pas mis l'accent sur l'aspect populaire du cinéma, et surtout, on n'a jamais pensé qu'un film africain pouvait tendre vers un marché. Moi, je me souviens, tous les films africains que je les voyais toujours gratuitement au Centre culturel français de Kinshasa, ou ailleurs, d'institut, ou au Centre culturel américain. Un film africain, on n'était pas censé le payer pour le voir. Et donc, dans mon pays, par exemple, ce n'est que quand mon film La vie est belle est sorti, que pour la première fois, un Congolais est sorti dans une grande salle payer un film africain. C'est pour dire que si actuellement on se pose encore la question, c'est que il y a encore du travail à faire. C'est vrai que le travail, d'après les interventions que j'ai entendues de Diallo ou de Joséphine Danou, ça va bientôt être l'unique manière d'accéder à la production du cinéma, parce que les guichets internationaux, auxquels nous nous adressons d'habitude, sont en train de s'essouffler. L'Union européenne, c'est une fois tous les 4-5 ans, Fonds Image Afrique est fermé. Il reste Fonds Sud, mais qui est tellement vaste que pour qu'un Africain est là-dedans, il faut tenir compte du fait qu'il y a aussi l'Amérique latine, les pays de l'Europe de l'Est, donc bon, ne répond pas trop. Ça veut dire que petit à petit, peut-être qu'il y a une chance de devoir faire du cinéma africain-africain. J'ai dit africain-africain, il y a deux adjectifs. Bon, je crois que il faut, bon, c'est vrai, ce n'est pas notre affaire, à nous, réalisateurs, comme le disait Willy, d'être des économistes du cinéma. Nous sommes des créateurs. Donc, à notre niveau, comment pouvons-nous arriver à industrialiser le cinéma africain? Industrialiser, d'abord, il faut dire que ce n'est pas quelque chose de théorique. C'est faire en sorte que le cinéma devienne réellement une industrie. Que les réalisateurs gagnent leur argent grâce au cinéma, que les preneurs de son travail, les musiciens, les caméramans, tous les corps de métier puissent vivre de leur métier, et peut-être même que cet argent rapporte des taxes à l'État. C'est-à-dire faire en sorte que ce soit une activité économique rentable et viable. C'est ça l'industrialisation. Maintenant, à notre niveau, nous, cinéastes, comme disait, je ne sais plus si c'est Boubacar Diallo, qui a posé la question, est-ce que nous, cinéastes africains, nous avons donné aux spectateurs africains ce qu'ils attendaient de nous? Je m'étais déjà posé cette question au moment où je faisais la conception du film de La vie est belle, comme Madame Joséphine Danou, je m'étais dit comment aller vers le public. Chacun trouve sa solution, donc je me suis dit, bon,